Nous allons faire la technique suivante lentement. Le nom de la technique est Hosen. Est-ce que vous savez pourquoi Sensei voulait le faire ainsi? Il veut que l'alcool s'évapore de son corps. C'est un bon entraînement. Sensei n'évite pas la main de Pedro. C'est le vent de l'adversaire qui le fait bouger. Voilà le sentiment correct. Il faut aller à la position correcte. La pression du vent va nous faire bouger. Apprenez cette façon de contrôler l'adversaire. S'il portait une katane ou un revolver, nous pourrions le lui arracher. Maintenant, il ne peut plus bouger. Je pourrais lui casser le bras. Ou les doigts. Mais, comme vous voyez, je ne le retiens ni le saisis pas. Hey,
Vous ne devez pas saisir sa main. Il faut simplement la pousser vers l'avant. L'objectif disparaît tout d'un coup. Notre intention n'est pas celle de saisir la main. Il est important de se déplacer toujours comme le vent. Être libre. Tous deux pouvaient être comme le vent. De cette façon, vous ne vous fatiguerez pas. Les gens qui mettent trop de force dans leur mouvement se fatiguent. Ce n'est pas nécessaire d'employer de la force. L'on peut aussi employer un yari, bâton long, pour être comme le vent. Si vous laissez aller le yari, sans faire attention de quel côté, lorsque le rival tombe à terre, le yari le coupera sans rien faire. Nous pouvons faire comme cela. Just watch for a bit. Regardez bien. Ce qui est important ici est que si nous nous déplaçons ainsi, nous pourrons dégainer le revolver. Sans avoir besoin de pousser. Nous devons nous déplacer comme cela. De cette façon, vous pouvez employer des armes comme celle-là. Soyez libre. Okay.
If you're just really intense about trying to do this movement, then you will think you're doing it right, but you won't be. You won't be moving like the wind. Si nous nous entêtons à faire ces mouvements de façon intentionnée, alors nous ne réussirons pas à nous déplacer comme le vent. You'll just be like a solid body moving. It won't be like the wind, a gaseous body. Nous serons seulement un corps physique qui essaie de se déplacer comme le vent. If there is a solid body moving, then it's something that can easily be destroyed. Avec un corps solide en mouvement, il y aurait toujours quelque chose qui pourrait se briser. So when Pedro is striking, lorsque Pedro lance un coup, you don't know what way he's going to be striking. Nous ne savons pas de quelle façon il va frapper. You don't need to grab him. Nous ne devons pas le saisir. Maintenant, Pedro ne se sent pas très bien. Very likely you gouge their eyes. Je le saisis aux yeux. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer.
Maintenant, nous allons voir comment plier les mains. Nous allons pratiquer comme ceci. Nous laissons notre bras libre de cette façon. Apprenez ceci. La direction n'a pas d'importance. Il s'agit de créer un espace. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin de tirer. Faites comme cela. Nous pouvons le saisir. Ceci est très important. Aller avec le corps est très important. Nous devons arriver à cette position. Savoir comment déplacer le corps jusqu'à arriver à cette position est important. Nous devons contrôler le rival avec notre corps, car nous ne pouvons pas employer l'arme.
It's not just a joke. Ce mouvement n'est pas une blague. Hold him here. Nous pouvons le retenir par ici et le contrôler. Use it this way. Nous pouvons faire comme cela. So Sensei is trying to teach people how to move so that you can use weapons. Sensei veut montrer aux gens comment se déplacer pour pouvoir employer des armes. You can take his weapons. Vous pouvez aussi lui arracher son arme. It looks very simple. Cela paraît très facile. The important thing is to move in here with your body. Mais il est important d'arriver à se déplacer avec le corps vers cette position. And then he won't be able to use his elbows. Alors l'adversaire ne pourra pas utiliser ses coudes. You've got to move so that the opponent can't use his own things. Il faut se déplacer de façon à ce que le rival ne puisse pas employer ses techniques. Use your whole body. Nous devons utiliser tout le corps. Okay, the next technique is about a tiger falling down. We can't decide whether where it's actually called Kodai or Kodai. La prochaine technique est comme un tigre qui tombe. Nous pouvons l'appeler Kodai ou Kodaku. Elle n'a pas de nom défini. Do this slowly. Nous allons le faire lentement. There's no need to hurry. Nous ne sommes pas pressés. Do it slower than these two demonstrating up here. Vous devez faire la technique plus lentement que lorsque la démonstration que vous avez vue. Somebody who can do a technique like this slowly, it proves that they are a good practitioner. Les gens qui ont essayé de faire la technique lentement considèrent que c'est mieux pour l'apprentissage. Okay, the important thing to remember now. Voilà ce qui est important ici. When he comes to cut at you, lorsque le rival vient pour nous attaquer, you just let the wind blow past. Nous devons laisser que le vent passe. Ceci est meilleur que d'essayer de le saisir avec la main. Il n'y a pas façon de le frapper. Vous devez le laisser couper le vent. Ne le laissez pas couper votre corps, mais plutôt qu'il coupe le vent. Did you hear the sound of the wind? Est-ce que vous avez écouté le son du vent? This is the wind as well. Ceci est aussi le vent. Study this well. Étudiez bien ceci. And then you just hold him very slowly. Nous saisissons son bras très lentement. Very simple. Cela est très simple. You can do whatever you like with the hand up there. Avec l'autre main, vous pouvez faire ce que vous voudrez.
So why was Sensei showing this movement? Now, just imagine that he might be wearing shukou. Pourquoi est-ce que Sensei vous montrait ce mouvement? Maintenant, imaginez que Sensei porte dans sa main un shukou. Vous comprenez? This is how you can use this movement. Voilà comment employer ce mouvement. That's why Sensei uses his hands the way he does, because he could have many concealed weapons inside there. C'est la raison pour laquelle Sensei bouge ses bras de cette façon, parce qu'il peut employer plusieurs types d'armes. Seulement comme cela, le rival se trouve dans une situation difficile. Jokes can be converted into techniques that really damage the opponent. Les blagues peuvent devenir des techniques qui font réellement mal à l'adversaire. Il y a beaucoup de façons d'éviter l'attaque. Don't try and take him. N'essayez pas de saisir votre adversaire. Many different ways of taking it. Il y a plusieurs façons de le faire. Plusieurs façons différentes. Sensei is teaching the wind. Sensei vous montre le vent. Pas de technique. Il faut laisser les techniques de côté. Just the wind. Seulement le vent. There is no form within the wind. Le vent n'a pas de forme. Learn to do this too. Apprenez aussi à faire ceci. Whether he takes it or not. Peut-être que le rival va réussir à prendre mon couteau. The elbow. He's getting his elbow. C'est comme Kojutsu. So learn to change your grip also within this space. Apprenez aussi à faire des changements de ce genre. When he strikes, do this. Lorsqu'il frappe, faites ceci. Learn this way of avoiding him. C'est une bonne façon d'éviter son attaque. It's like the wind is coming and blows you back. C'est comme le vent qui vient et souffle dans notre dos. Looks very simple. Cela paraît très simple.
Practice this well. Entraînez bien cela. You can be quite slow. Vous pouvez le faire très lentement. Don't look. Ne le regardez pas. Because there are many opponents all around you. Car il pourrait y avoir beaucoup d'autres adversaires tout autour. Maintenant, l'adversaire frappe depuis le bas. Lorsque vous l'attaquez, pensez qu'il se trouve là, mais il n'y se trouve pas. Il y a un moment où vous sentez que le maître se trouve là, mais tout d'un coup, il n'est plus là, et vous vous sentez déprotégé face à tout. C'est un moment de confusion. Une fois que tu as lancé le coup, tu ne sais que faire. There's a moment that you feel Sensei is there, but he's not, and then you feel empty in front of him. Vous pouvez aussi utiliser les armes de cette façon. Nous ne montrons rien à l'adversaire. Nous plaçons seulement le bâton ici. Nous laissons que la lame coupe son cou. Il existe plusieurs façons de l'éviter. Nous nous protégeons avec tout le corps. Nous employons tout le corps de l'adversaire, pas seulement une partie. Pedro realizes that he's getting cut. Maintenant, Pedro se rend compte que Sensei va le couper. Nous pouvons aussi le faire à deux mains. Étudiez bien cela. Saisissez votre adversaire avec le vent. Tight tendon.
Ceci est la manière de fluir dans la technique. Si vous frappez ici, vous pourrez le contrôler totalement. Il ne peut pas me frapper. Un seul doigt peut être très important. Si nous réalisons le premier mouvement, il ne pourra pas bien nous frapper. It's all just the wind. Déplacez-vous comme le vent. Control him, hold him there. Vous devez contrôler ici. Okay. Lorsque vous saisissez sa main, vous devez déplacer votre corps vers lui. Le principal vient après avoir évité son premier coup. It's with your left side that you take it. It's not with your right hand. Your right hand might have, you know, joined his hand, his strike. It's your left hand that takes it. Avec la main droite, nous allons contrôler son coup. Mais c'est vraiment avec la main gauche que nous contrôlerons son corps. And it's with this hand that you can push him or pull him. Et c'est avec cette main que nous pourrons le pousser ou tirer de lui. Nous employons tout le corps pour le contrôler. Un mouvement important en observant Sensei. D'abord, il a saisi le corps de l'adversaire avec son corps. Après, il a frappé le visage du rival avec son corps. En même temps, il est entré avec cette main et fait aussi ceci. Après, il a pivoté sur lui-même. Sensei was controlling before with the whole body, and even beating with the whole body. Il est très important de ne pas chercher son bras, de ne pas essayer de le saisir, mais plutôt de le trouver. It's important not going looking for it, but receiving it. Lorsque l'on cherche, l'on ne trouve jamais.
Most important is to not be there when you cut. Indépendamment de la technique, le plus important consiste à ne pas se laisser couper par l'adversaire. Lorsque son corps approche, nous devons nous déplacer et nous pourrons aussi contrôler avec notre corps. Et alors nous pourrons frapper, mordre ou quoi que ce soit. Deux choses me viennent à la tête. La première est la distance. C'est très important. Il ne faut pas trop s'éloigner ni être trop près. Le deuxième aspect important, c'est respirer. Parce que nous devons être comme le vent. Il y a donc une connexion. Comment respirer? Si nous respirons tranquillement, alors nous pourrons faire le mouvement. Nous pourrons réaliser la technique et le vent nous protégera. So breathing is connected to the wind. So let's use breathing as a way, as a tool for us to protect ourselves. Okay, thank you. Nous allons voir comment contrôler le dos de l'adversaire lorsqu'il nous attaque. S'il nous attaque comme ceci, nous éviterons de lui présenter un objectif clair. Parfois, il peut continuer son attaque pendant que nous nous retirons. Nous pouvons faire comme ceci, et alors, nous contrôlons son dos. It's important to control his back. He has his target clear, and we can use the target. Nous pouvons aussi laisser passer son attaque, et alors, contrôler son dos depuis cette position. If he passes away, we can control his back. S'il te plaît, fais 5 ou 6 différentes façons de le faire. Il faut prendre la distance correcte. La distance est importante. Le coup de pied importe peu. Ce qui est important est de prendre la distance de la jambe. N'essayez pas de donner le coup de pied, seulement de réussir la distance correcte. Le coup de pied importe peu. Seulement cherchez la position correcte. Nous atteindrons après l'objectif en employant la jambe arriérée. Dirigez-vous vers la position finale du coude du rival. Avec le bâton, vous le verrez mieux. Sensei ne vous montrera jamais la même chose deux fois. Ceci est important. Il faut se déplacer avec notre corps. Cela est assez dangereux.
Voilà ce qui est important. Nous pouvons lancer le coup de pied depuis ici. L'on peut improviser plusieurs façons. Maintenant, l'adversaire ne peut pas bouger. Il va lui casser son pouce. Une fois l'adversaire au sol, nous pouvons employer l'arme. Mais nous ne voulons pas faire de bruit. Nous pouvons écraser son cou pour l'obliger à ouvrir la bouche et l'étouffer avec l'arme. Le aplasta el cuello de forma que abra la boca. Ok, yaktate free. Okay, once more again. Okay, toma, toma. Once more again. Very good. Okay, thank you. If you've got a katana, try sticking it out quite far in front. Si vous avez une katana, essayez de la dégainer vers l'avant. And you've got to just stay in the state that you are. Vous allez vous maintenir dans la même position. And then you pull back to draw. Et alors, vous allez pousser vers l'arrière pour dégainer. Dans ce cas, nous devons combiner ce mouvement avec celui des jambes. Si nous n'aurions pas bougé de cette façon, nous n'aurions pas pu dégainer l'arme après. You don't need to draw your gun anyway. De toute façon, nous n'avons pas besoin de sortir notre arme. Vous devez être libre. Nous pouvons employer toutes les options.
Il ne faut pas le faire avec le corps, pas avec la main. Ne faites pas ceci au visage des gens, parce que cela est dangereux. Lors d'une situation réelle, vous pourrez porter un shuko. Vous pouvez aussi piétiner pendant que vous faites ceci. Dans cette technique, l'on peut frapper de plusieurs façons. Use your spine, it's not your hand. Le mouvement se fait avec la colonne vertébrale, pas avec les mains. Maintenant, nous allons en arrière avant de lancer un coup de pied. Look at the angle of the feet. Regardez bien l'angle du pied. Changez l'angle des pieds pour pouvoir arriver au coude. Lorsque le vent arrive, nous nous déplaçons comme le vent. N'essayez pas de donner un coup de pied, seulement levez la jambe. Le problème, c'est que tout le monde pense à lancer le coup de pied et alors la force disparaît. Nous devons faire comme le vent, seulement lever la jambe. L'on dirait un coup de pied facile à faire, mais cela n'est pas le cas. Si quelqu'un nous demande de disputer un combat de taijutsu, et nous dit, sortons au champ de bataille pour nous battre, at a time like that, then you might be wearing your straw sandals and you would put a shuriken or some needles, maybe some poisoned needles, in your shoes. Alors, il vaudrait mieux porter des espadrilles en corde avec un shuriken caché ou avec du venin en poudre. And as it's in the field, you could walk like that. Parce qu'à la campagne, l'on peut marcher avec cette tenue. Dans ce cas, le coup de pied ne sera pas fort. Il faut comprendre l'aspect géographique de chaque lutte. Vous n'allez pas survivre si vous ne savez pas donner ces coups de pied en accord avec votre entourage. That's why Sensei always says, don't get too intense about what you're doing. Pour cela, Sensei dit toujours qu'il ne faut pas trop s'entêter sur quelque chose. Because if you get too intense, too absorbed in something, then you'll get killed. Parce qu'en se centrant trop sur quelque chose, l'on pourrait nous tuer. Doesn't matter that your techniques don't need to be good. Les techniques ne sont pas forcément bonnes. All you need is to have a good heart. Ce qui est nécessaire est d'avoir bon cœur. If you have this kind of feeling, then the techniques are not important. You will still be able to live and survive. En ayant ce sentiment, les techniques ne sont pas importantes et nous pourrons survivre. And once you understand this, you will understand the correct way to kick as well. Une fois que vous ayez compris cela, vous comprendrez la façon correcte de donner un coup de pied. Do you understand? Vous comprenez? Lorsque la vie est en péril, être un homme fort ne va pas nous aider. Une fois que vous ayez compris cela, vous comprendrez beaucoup d'autres formes de donner des coups de pied. Maintenant, Sven-Erik va nous montrer quelque chose. D'autres façons de donner des coups de pied. Nous parlons du vent. J'ai vu trop de personnes trop occupées à faire leurs propres techniques, en essayant de bien les exécuter.
In wind, we have to merge with our opponent, to become one with him, and doing the same things together with him, so we can be able to move with the wind. Dans cette partie du vent, nous devons nous unir avec notre rival, devenir une seule personne, et faire ensemble les mêmes choses. No podemos hacer nuestra propia historia. I don't know how many of you have been in competition arts, like judo, karate. Je ne sais pas combien d'entre vous avez participé dans des championnats de judo ou de karaté. And be fighting with the guy who tried to do his own stuff and don't pay attention to you. Et avait lutté avec un rival centré sur ses propres techniques, sans prêter attention à vous. Cela est facile à faire. In wind, you have to merge. Dans le vent, il faut émerger. Find the holes. Il faut trouver les espaces vides. Be smooth. Il faut faire doucement et bouger le corps. This time when he comes, ahora cuando venga, I move like... Lorsqu'il va attaquer, nous allons nous déplacer comme cela. Ce qui importe, c'est la distance. N'essayez pas de lancer un coup de pied sans avoir pris la distance. Peut-être que la clé se trouve dans le fait de ne pas frapper avec votre jambe. Simplement l'amener vers le haut. Comme cela, vous aurez une chance. Lorsqu'il attaque, depuis n'importe quel angle, vous pourrez l'atteindre. S'il attaque de face, aussi. N'essayez pas de frapper. Haussez le genou. Cela marche toujours. Hey, once more again. Je crois qu'il vaut mieux lancer un coup de pied qu'il ne soit pas un coup de pied. Maybe the best thing is to kick without kicking, not a real kick. Comme dit Sensei, essayez de vous déplacer avec le vent. Try to move as Sensei says, it's difficult like the wind. Un seul mouvement à faire lorsqu'il attaque. When he attacks, it's just moving. En pivotant, nous pouvons aussi frapper avec la cheville à son estomac ou de n'importe quelle autre façon. Muy simple. Nous ne pouvons pas essayer de contrôler plusieurs adversaires, un à un. Tout le monde fera ce contrôle ici, et après cet autre. Mais de cette façon, nous le permettons de s'échapper. Nous devons essayer autre chose comme celle-ci. Nous pouvons essayer de contrôler à beaucoup de personnes, une par une. Ceux qui ont été tués par Natacha sont très contents.
Elle est une très belle femme. À quel moment il va m'attaquer, m'importe peu. Je n'ai pas besoin non plus de beaucoup d'espace. Sensei ne bouge pas beaucoup, car il filme avec une caméra. Voilà pourquoi il veut donner un bon angle. Il doit être gentil avec les gens qui vont voir le vidéo. Il faut savoir correspondre avec la situation. Nous ne savons pas dans quel entourage nous allons nous trouver lors d'une lutte réelle. Ce sera peut-être un champ avec des herbes assez hautes. Mais le cœur du mouvement sera toujours le vent. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous n'arriverez pas à survivre. Les arts martiaux sont les arts de comment vivre et comment survivre. Cela est un sentiment important. Les arts martiaux ne sont pas faits pour détruire quelqu'un ou la nature. Il est important de trouver des façons d'aider à autrui. Essayez maintenant de lutter avec un bon cœur et cela vous aidera à progresser beaucoup plus. Il y aura un bel arôme, un bon vent qui soufflera. You've got to try and do the kind of movement where the opponent doesn't detect the smoke or the wind of your movements. Il faut faire les mouvements de manière que le rival ne se rende pas compte de l'odeur ou de la fumée de notre mouvement. This is the good manners of human beings. Ceci est la conduite correcte de l'être humain. That's what the martial arts are about. Voilà ce que sont les arts martiaux. いいトレーニングをしてくれました。Thank you. Thank you for your good training.